Après la virée nocturne avec les gars de Salieri, je me suis remis au boulot. Mais c'était pas pareil. Quand on est taxi, on passe pas mal d'heures avec ses pensées. Et avec les pensées des autres. Vous là, taxi. Oui, madame. Vous conduisez ou vous lambinez? Je conduis, madame. Je conduis toujours. Bien, alors qu'est-ce que vous attendez? Alors, on va où? L'église Saint-Michaël, et vite! Et soyez prudent. Je suis toujours prudent au volant. Vous seriez bien le premier. Coupez-moi ce tapage, je ne m'entends plus penser. And they think of Behringer. Not bad. A lost heaven institution for more than 65 years. Alors, vous allez à l'église? On est déjà dimanche? Regardez la route, s'il vous plaît. Arrêtez-vous là, près du parc. Et voilà, Saint-Michaël. Ça vous fera 30 cents. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'arrêter de fumer dans votre taxi. J'ai l'impression de sortir d'un cendrier. Ah, d'accord, si vous le dites. Une course. La galerie d'art, en vitesse. Ça roule, je connais ça, la vitesse. Vous allez vous balader? Ça vous regarde peut-être? Non, pas vraiment, non. Juste pour parler. Je vous paie pour conduire. Contentez-vous de ça. Regardez-moi ça. Cette crise rend les gens paresseux. Ça leur donne une excuse pour rien faire. S'il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de boulot. Il y a toujours du boulot, faut juste le chercher. Ouais, je vois, vous êtes un homme occupé. C'est vrai que ça se fait rare de nos jours. Je savais que la Grande Dépression nous tomberait dessus.
J'ai donc pris certaines dispositions. Des dispositions pour profiter de la crise ? J'ai un rendez-vous d'affaires avec un collègue. Enfin, qu'est-ce que vous y comprenez ? Quand vous trouverez un vrai métier, vous saurez de quoi je parle. En attendant, contentez-vous de conduire. Ouais, j'ai pigé. Garez-vous devant la galerie. Bon, ça suffit. Je vais marcher. Ah, oh, les chauffeurs dans cette ville. Je tombe que sur des trous du cul, moi, aujourd'hui. Allez, au prochain. C'est parti. Vous pouvez me déposer devant la mairie ? Je vous en prie. Bonne journée. Sale gueule. Eh ben, je bosse depuis 5 heures. Et vous, c'est quoi votre excuse ? Je picole. Ça m'étonne pas. Bon, on va où ? L'Italie, 21e rue. Bon, je dis pas aux flics que vous puez l'alcool, et vous, vous leur dites pas pour les excès de vitesse ? On fait comme ça ? Alors, j'ai conclu. Vous avez eu des bonnes courses aujourd'hui ? Ouais, un peu, mais on n'en a jamais assez. Les gens ont plus de fric pour prendre le taxi depuis la crise. C'est la merde. La seule raison qui fait que je prends le taxi, c'est parce que je suis saoul et que je suis faible. Les flics voient des poivrots tous les jours. Ce qu'ils veulent, c'est ceux qui refourguent. Certains sont allés en cellule pour moins que ça. C'est clair. S'ils peuvent vous prendre le peu que vous avez, ils le feront. Cette ville est rongée par la corruption. C'est ça.
masque. Continuez jusqu'à l'angle, s'il vous plaît. Édition spéciale, toutes les dernières. Hey, mon cousin a un stand de café pas très loin. Dites-lui que Lucio vous envoie. C'est d'accord? Merci, je le ferai peut-être. Salut mon pote, tu te souviens de moi? Hein? Hein? Monsieur Morello est pas content. Qu'est-ce qui t'a pris d'aider les types de Salieri, hein? Maintenant, je vais devoir te dérouiller pour pas que t'oublies qui c'est le boss de cette ville. Après ça, tu tricoteras plus des guiboles comme avant. J'aime bien ce gars. Pour une fois, on s'amuse. Allez, on se le fait. Il attend de l'autre côté de la ruelle. Attends un peu ça. Ça va, petit? Dino, Lou, vous venez voir le Don? Non, non. On voulait juste parler au chauffeur, là, c'est tout. Ah ouais? Ouais. Eh ben, c'est le chauffeur préféré du Don. Donc, si vous voulez lui dire quelque chose, vous passez par moi. Vraiment? Ce qui est sûr, c'est qu'on repartira pas d'ici, les mains vides. Et peut-être même que vous allez pas repartir du tout. Ok. On en reparle plus tard. Viens, Lou. Merci. On te devait bien ça. Allez, bien. On va parler au Don. Don Salieri? Ouais. Ça risque de l'intéresser, cette histoire.